Bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va parler dématérialisation RH. Et pour m'accompagner ce matin, je reçois Victoire et Laetitia. Je vais laisser Laetitia se présenter. Bonjour à tous, donc Laetitia Derry, ravie d'être avec vous et je suis Product Manager et Product Owner sur la solution Digipost Access. Bonjour Victoire. Bonjour Christophe, bonjour à tous, moi c'est Victoire Lassus et je travaille avec Laetitia sur la solution Digipost Access, mais moi sur la partie plutôt commerciale sur un poste de business développeur. Super. Donc ce matin au programme, on va revenir sur ce qu'est la démat et puis on vous présentera la solution Digipost. Hein, vous aurez une présentation concrète de l'outil, ce qui vous permettra de vous projeter, de vous mettre en situation. Alors petit rappel, c'est quoi la démat? Bah, la démat, simplement, ça va vous permettre principalement d'optimiser votre gestion administrative, hein, de gagner en productivité, d'optimiser vos processus. Alors bien évidemment, dans un premier temps, notamment de dématérialiser les bulletins de paie, par exemple. Donc, ce gain de productivité va libérer vos équipes et puis, bien évidemment, avec un ROI très rapide par rapport à la mise en place de ces solutions. Donc, ce qui a favorisé la dématérialisation du bulletin de paie en France, c'est la loi Travail, hein, en août 2016, qui a rendu possible le fait d'envoyer les bulletins aux collaborateurs de façon dématérialisée, mais de façon encadrée. Sachant que les employeurs ont un process à respecter, ils doivent informer les salariés un mois avant la démat. Le salarié peut refuser. Le salarié ne s'engage pas dans une décision définitive. À tout moment, il peut demander à revenir à un format papier. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est à peu près tout, hein. Sur cette partie-là, savoir qu'aujourd'hui, c'est encadré et que c'est même encouragé par la loi. Ce qu'on constate également, c'est que le Covid a fortement accéléré, hein, les projets de démat et de manière générale les projets de digitalisation des entreprises en France. Ce qu'on a ici, c'est un chiffre qui est parlant, hein, on est presque à 50% de dirigeants qui estiment que la crise a joué un véritable rôle d'accélérateur dans leurs projets digitaux, notamment pour offrir davantage de services aux collaborateurs. Toujours dans cette optique d'augmenter la productivité, de faciliter les démarches et d'offrir tout simplement des services plus efficients aux collaborateurs. Avant de continuer, une petite question que je vais vous poser, vous pouvez répondre dans le chat directement. Est-ce que vous pensez que vous avez le droit d'envoyer les bulletins de salaire aux collaborateurs via un email? Est-ce que vous pouvez envoyer les bulletins de salaire aux collaborateurs via un mail? Vous pouvez me répondre oui, non dans le chat. Alors, Hélène me dit oui. José me dit non. Laurent me dit oui. OK. Hélène me dit, si vous posez la question, que c'est que non. Deuxième question que j'avais à vous poser avant de vous donner la réponse, c'est lorsque vous mettez en place ce type de solution, de coffre-fort, vous dématérialisez les documents, donc vous donnez un accès à un coffre-fort au collaborateur. Si le collaborateur quitte l'entreprise, est-ce qu'il perd son coffre-fort selon vous? Voilà, vous êtes plus informé, c'est mieux. Alors effectivement, le bulletin de salaire, vous ne pouvez pas l'envoyer à vos salariés par mail. Ce n'est pas possible, c'est fortement déconseillé. Il y a effectivement un risque, hein, de sécurité et de confidentialité. Le coffre-fort, en fait, en tant que salarié, bah oui, vous le conservez en fait. Que vous changiez de poste dans l'entreprise, que vous changiez d'entreprise, ou même que vous ne soyez plus en poste,
vous conservez vos accès à votre coffre-fort avec un identifiant unique qui vous est propre. Et d'ailleurs, ce coffre-fort vous appartient, il n'appartient pas à l'entreprise, entre guillemets. L'autre question qui était posée, c'était dématérialiser le bulletin n'est que la première étape du projet de digitalisation de mes flux RH. Vrai. Oui, parce qu'effectivement, on démarre toujours par généralement le bulletin de paye, mais en fait, on peut dématérialiser l'ensemble des documents RH. Hein. Typiquement, les documents liés aux autres avantages sociaux, je ne sais pas, à l'intéressement, la participation, vos documents de mutuelle, de prévoyance. On peut dématérialiser la quasi-totalité de votre dossier salarié dans l'entreprise. Alors, vous m'excuserez, hein, j'ai la voix un peu prise ce matin. Je crois qu'on est tous un peu au fond du gouffre là en décembre. Allez, je vais passer la parole. Je ne sais plus qui prend cette partie, Laetitia. C'est moi. Bon. Merci Christophe. Effectivement, la solution que nous aujourd'hui, on a à vous proposer pour répondre à ce besoin de dématérialisation, c'est une solution qui s'appelle DigiPost Access chez nous. Donc, en une phrase, hein, clairement, cette solution, ça va être une plateforme digitale qui va vous permettre d'être autonome dans toute votre partie de dématérialisation et donc d'envoyer les documents à vos destinataires. C'est une plateforme en mode SaaS, donc c'est-à-dire que vous aurez des codes d'accès pour vous connecter, vous n'aurez pas de logiciel et effectivement, tous les documents seront archivés dans les coffres-forts numériques sécurisé et pérenne, opéré par la Poste. On parle de documents puisque Laetitia vous le montrera dans la démonstration. On peut déposer du bulletin de paye puisque c'est souvent la demande première, comme expliquait Christophe. Mais derrière, la solution vous permet aussi de dématérialiser tous les autres types de documents RH. Donc, en termes de parcours, quand vous allez mettre en place cette solution-là, DigiPost Access, donc, vous allez arriver sur notre landing page hein, avec notre présentation de l'offre. Derrière, bah, vous allez vous créer un compte pro, vous inscrire tout simplement en tant qu'entreprise. Il y aura cette partie paiement, souscription qui se fera en ligne hein, puisque vous êtes complètement autonome dans ce parcours-là. Derrière, il y aura des petits réglages à effectuer. Donc, une personnalisation des parcours, ça prend quelques minutes. Laetitia vous le montrera. On pourra certifier l'entreprise. Donc ça, c'est vraiment le fait de reconnaître l'entreprise avec son CABIS, son numéro de SIRET, son représentant légal. On peut le faire à deux moments différents dans le parcours, soit juste après la personnalisation ou avant de faire du dépôt de documents. Donc, c'est comme vous souhaitez. Et ce que vous ferez aussi sur la plateforme, c'est bah, d'importer vos destinataires qui sont clairement vos collaborateurs qui seront dans le projet de dématérialisation et ceux pour lesquels il y aura du coffre-fort. Ensuite, vous ferez des petits paramétrages et ajoutez les gestionnaires, c'est-à-dire les personnes hein, qui auront les droits de dépôt sur la plateforme. Et ensuite, si vous n'avez pas fait votre certification, vous pouvez le faire à ce moment-là. Et puis, bien entendu, l'activité récurrente de cette plateforme qui sera, bien entendu, le dépôt des documents. Donc, du coup, on va passer à la partie démo. Je vais partager mon écran, donc n'hésitez pas à me dire si jamais il y a un souci. Hop, donc là, vous devriez voir notre site business.digipost.fr, donc ouais. Qui retrouve toutes les offres de chez Digipost. Et ici, sous l'onglet offres, vous avez la page dédiée à l'offre Digipost Access que Victoire vient de vous présenter. Donc vous avez effectivement tous les détails de l'offre, quelques petites vidéos illustrant comment cela fonctionne. Vous avez également la possibilité de demander une démo, parce que c'est toujours plus simple lorsque on a une personne pour nous conseiller et à qui on peut expliquer les cas qu'on rencontre. Et vous pouvez vous inscrire sur la plateforme gratuitement pendant un mois, donc tester la plateforme, voir si c'est la solution qui vous convient. Donc là, je vais passer sur la partie prototype. Donc, je ne pourrais pas faire absolument tout ce que je veux dessus, c'est pour les bienfaits de cette présentation. Mais on pourra passer sur la plateforme en live juste après si il y a des questions et qu'il y a besoin de montrer des cas concrets. Donc, comme Victoire l'a tout à l'heure décrit,
Vous créez un compte, donc c'est assez rapide, ça prend quelques minutes, en mettant l'adresse mail, le SIRET de l'entreprise. Vous avez une vérification pour voir les informations qui sont trouvées. Ensuite, vous rajoutez votre nom, prénom et numéro de téléphone. Ce dernier servira dans une autre étape par la suite. Et vous définissez un mot de passe. Et voilà, en quelques secondes, vous vous êtes créé un compte pro La Poste. Vous pouvez ensuite accéder à la plateforme. Donc là, vous avez la mire de connexion où il faudra rappeler l'adresse email et le mot de passe que vous venez de renseigner. Et vous pouvez vous connecter. Donc la première étape, ce sera l'étape de souscription. Encore une fois, le premier mois est offert, mais c'est à cette étape que vous allez choisir le nombre de destinataires que vous souhaitez adresser. En gros, l'offre vous permet de déposer de façon illimitée, donc autant de documents que vous le souhaitez. La limitation sera sur le nombre de destinataires. Vous pouvez déposer pour jusqu'à 20 destinataires, 50, 100, 175 ou 250. Donc c'est vraiment une offre qui est dédiée aux TPE et PME. Et du coup, vous avez ici le prix et la promesse de valeur qui sont indiquées et qui varient selon le nombre de destinataires que vous souhaitez atteindre. Oui, attendre. Donc vous sélectionnez. Donc ici, on va prendre 50 destinataires. Vous allez pouvoir ajouter les éléments de facturation. Donc vous pouvez récupérer vos factures tous les mois depuis la plateforme. Le but, c'est que vous soyez vraiment autonome. Donc, vous pouvez télécharger vos factures tous les mois depuis la plateforme dans les paramètres. Hop. Et ici, vous allez pouvoir finaliser le paiement. Donc, pour la souscription où on a un mois gratuit, un mois d'essai offert, vous allez quand même devoir renseigner vos coordonnées bancaires. Comme ça, en fait, le mois d'après, l'abonnement sera renouvelé de façon automatique. Mais vous pouvez également résilier depuis la plateforme, donc encore une fois, en toute autonomie, avant la fin de ce mois offert, si jamais l'offre ne vous convenait pas. Donc là, une fois que vous avez renseigné vos coordonnées bancaires, vous arrivez sur la plateforme. Comme le disait Victoire tout à l'heure, donc vous avez la possibilité de vous certifier. Donc c'est une étape qui est vraiment importante pour garantir l'authenticité des documents, donc pour être sûr que vous êtes bien l'entreprise Total et vous déposez bien pour les salariés de Total, donc qu'il n'y ait pas d'ambiguïté auprès des salariés. Et donc, ce processus de certification est assez rapide également. Donc, en quelques clics, vous revérifiez les informations de votre société, le nom et prénom qui avaient été renseignés et le numéro de téléphone. Un code à 6 chiffres vous sera envoyé sur ce dernier. Donc, du coup, il n'y aura plus qu'à le renseigner. Ensuite, donc là, on va prendre l'exemple d'un représentant légal pour une entreprise qui est immatriculée. On va vous demander un CABIS que vous allez pouvoir importer et de renseigner une pièce d'identité, donc dans notre exemple ici présent, la carte d'identité, recto et verso. Vous allez avoir une phase d'analyse donc qui dure un petit peu plus longtemps, qui dure une vingtaine à une quarantaine de secondes. Et vous avez deux possibilités. Soit vous êtes certifié de façon automatique, donc c'est ce qui arrive dans la plupart des cas. Soit vous êtes certifié de façon manuelle et il y aura besoin de documents complémentaires. Donc, vous recevrez un email pour vous demander cela. Une fois que c'est fait, vous voyez qu'ici, donc on a une petite checklist pour la prise en main de la plateforme. On voit que la certification a été effectuée. Donc là, on peut passer aux trois grandes étapes. Donc, la personnalisation de l'expérience de vos destinataires. En gros, vos destinataires vont recevoir un email dans lequel ils vont avoir un lien pour pouvoir créer leur coffre Digipost sécurisé et récupérer les bulletins de paie que vous leur avez déposés. Ici, dans cette étape, c'est ça que vous allez personnaliser. Vous allez leur donner tous les éléments pour les rendre autonomes, pour qu'ils puissent créer leur compte sans avoir à vous demander d'informations complémentaires. Donc là, on va passer rapidement sur ces trois étapes, donc c'est assez rapide également. Vous avez à chaque endroit un petit peu charnière du parcours des petites bulles d'information. Donc, au cas où vous avez des doutes sur ce qu'il faut faire, vous avez la possibilité de cliquer dessus. Et vous allez renseigner, pour commencer, l'identifiant de votre destinataire. Parfois, ça s'appelle matricule, numéro de salarié, etc. Donc, c'est souvent ce qui figure sur le bulletin de paie. Et du coup, pour indiquer à vos collaborateurs qu'ils doivent aller sur le bulletin de paie chercher ce matricule, on vous demande ici de mettre un exemple.
Là, on va vous demander d'importer le logo de votre société, puisque celui-ci figurera sur le mail qui sera envoyé au destinataire. Vous pouvez mettre un texte d'introduction, donc on a un texte par défaut, mais vous pouvez expliquer pourquoi l'entreprise souhaite dématérialiser et donner des compléments d'information sur où se trouve le fameux numéro d'identification. Donc en haut à droite, en dessous de votre numéro de salarié. Et ici, vous pouvez renseigner le lien vers votre site internet, donc qui sera visible par vos salariés depuis leur Digipost. Une fois qu'on a passé cette étape, donc qui est assez rapide, tout en sachant que vous pouvez venir l'enrichir, ajouter plus d'éléments si vous le souhaitez par la suite. Donc une fois que cette étape est terminée, on passe à la seconde, qui est l'import des destinataires. Donc pour ce faire, on aura besoin de 4 éléments pour chaque destinataire. Ça va être son identifiant unique, son nom et son prénom, et également son adresse mail. Vous pouvez télécharger depuis la plateforme un modèle de fichier à remplir, donc pour que ce soit plus simple. Et une fois que vous avez toutes vos informations, il n'y a plus qu'à importer le fichier au format CSV. On va avoir un petit loader qui dit que le fichier est bien pris en compte. Et ensuite, on va avoir le nombre de destinataires qui ont été trouvés dans ce fichier. Ici, nous avons pris une offre à 50 destinataires. Et nous avons trouvé 12 destinataires dans ce premier fichier. Donc, il restera 38 places, donc 38 destinataires qu'on pourra créer par la suite. Si on fait importer, on a bien la liste des destinataires qui se créent ici. Donc, pour chacun, on a une vue, entre guillemets, rapide, avec le numéro d'identifiant, le nom, le prénom, ainsi que le statut du coffre, donc qui peut être en attente ou activé. Quand un coffre est activé, c'est que le collaborateur a personnalisé son Digipost et qu'il peut d'ores et déjà récupérer des fiches de paie ou ses autres documents dans son Digipost sécurisé. Vous pouvez également faire des recherches donc par identifiant nom ou prénom. Et pour ajouter de nouveaux destinataires, il n'y a plus qu'à cliquer ici. Si on revient sur la page d'accueil, on voit qu'il ne reste plus que la dernière étape et celle qui sera la plus récurrente au final puisque le dépôt est souvent mensuel, voire plus. Ça va être de déposer les documents. Donc ici, vous avez le choix entre deux grands types de dépôts. Le dépôt personnalisé, donc par exemple un bulletin de paie ou un contrat de travail qui doit aller à un salarié en particulier. Et également le dépôt générique, par exemple pour des notes d'information, des éléments de communication qui doivent être envoyés à toute l'entreprise. Donc là, on va prendre l'exemple des bulletins de paie personnalisés, du coup, vous avez deux façons de le faire. Donc, si vous travaillez dans le RH, vous connaissez sûrement le terme de spool. En gros, un document PDF qui va contenir tous les bulletins de paie de vos salariés donc, à la suite. Donc là, vous allez pouvoir déposer de façon quasi automatique grâce à cette méthode. Donc, les bulletins de paie seront ensuite découpés et déposé à chaque salarié. Et si vous avez les bulletins de paie de façon unitaire, donc le bulletin de Victoire égale un PDF et le bulletin de Laetitia égale un autre, vous pouvez déposer avec cette méthode le PDF nominatif. Donc on va voir celle-ci en détail. Pour que tout soit plus simple et plus fluide en termes d'utilisation, on est parti sur un principe de création en se basant sur le fait qu'une action égale un écran. Ici, on va venir choisir le type de document qu'on souhaite déposer, donc bulletin de paie, et ensuite, on passe à l'étape suivante. On va renseigner le nom qu'on souhaite donner à ce bulletin de paie. Donc, c'est le nom que nous, on verra sur la plateforme, mais que le destinataire verra aussi dans son Digipost personnel. Donc, du coup, on conseille d'avoir une nomenclature qui peut rester la même pour chaque bulletin de paie, par exemple. Et ici, on va venir importer un fichier zip qui contient les documents PDF qui vont être renommés à minima avec l'identifiant du salarié. Donc c'est vraiment avec cette information-là, cette clé, que la plateforme va venir faire le lien entre le salarié et le document et le salarié. Donc là, on va importer son fichier. Il va y avoir une analyse qui va être faite. Et donc ici, on a 12 destinataires qui ont été reconnus. Le fichier contenait 14 documents.
Là, on a 12 destinataires qui ont été reconnus, les 12 que nous avons créés à l'étape précédente, et nous avons deux documents qui ne sont pas reconnus dans le sens où il n'y a pas de destinataire qui leur est attitré. Donc, à cette étape, on peut soit revenir en arrière et créer les deux destinataires manquants, soit on peut procéder au dépôt et du coup, il y aura seulement les 12 documents qu'on a ici pour les 12 destinataires connus qui seront déposés. Là, vous avez une phase de récap qui est bien pratique parce que du coup, on peut vérifier les éléments qu'on a renseignés, si on n'a pas fait de faute, par exemple, en tapant le nom du document ou si on a bien récupéré le bon fichier zip. Une fois que c'est fait, on a cette petite phase, ce petit récap. Donc, on a bien 12 bulletins de paie qui seront déposés et on a deux éléments en erreur. Donc, il faudra les créer par la suite. Et voilà, le dépôt est finalisé. Donc là, on a notre petite page de check donc, qui nous félicite pour ce dépôt et qui nous indique qu'un email va être envoyé à nos destinataires si jamais c'est la première fois qu'on leur envoie, qu'on leur dépose un document. Et dans cet email, il y aura tout le lien pour pouvoir créer leur accès à leur coffre personnalisé Digipost. Et ici, pour les autres, ceux qui ont déjà leur coffre, ils seront notifiés du fait qu'un nouveau document est arrivé, a été déposé dans leur coffre. On peut voir qu'ici, comme on a fait un premier dépôt, on peut aller sur la liste des dépôts et du coup, un peu comme pour les destinataires, on va avoir tous les dépôts qui ont été faits. Donc, c'est vraiment une plateforme où on peut suivre ce qui a été fait. Vous avez le nom, la date et l'heure, le type de document qui a été déposé et le statut. Donc, on a plusieurs statuts en cours parce que c'est en cours de dépôt. Transmis, et vous avez le détail, ça a été transmis à 12 personnes sur 12 ou en erreur si jamais il y avait eu un problème. Et là, vous pouvez créer un nouveau dépôt en cliquant ici. Donc, une fois que toutes ces étapes sont faites, vous débloquez, entre guillemets, le dashboard, donc la page d'accueil en mode dashboard, qui a été conçue pour être très pratique et vous donner de la visibilité sur toute la plateforme et les actions qui ont été réalisées en une page. Donc ici, vous voyez le nombre de destinataires que vous avez et combien vous pouvez en importer de plus avec un petit lien rapide pour en importer de nouveau. Vous avez également le détail des dépôts qui a été fait. Donc, vous en avez 5 sur cette page. Si vous en avez plus, vous pouvez aller cliquer sur « Voir tous les dépôts ». Vous avez la possibilité de créer un dépôt également ici, donc un accès rapide. Et nous avons ajouté à cela différents éléments qui vous permettent de mieux prendre en main la plateforme et d'avoir accès à toutes les nouveautés. On communique très régulièrement. Dès qu'il y a une amélioration qui est faite, vous avez une petite pop-in qui va s'ouvrir sur l'écran et qui va vous indiquer que vous pouvez désormais faire telle ou telle action. Vous pouvez également laisser des commentaires et nous donner votre avis en cliquant ici. Et vous avez également accès à un kit de communication. Donc ça a été créé par les équipes Digipost pour vous aider à vraiment communiquer envers vos destinataires. Pourquoi la dématérialisation ? Quels sont les avantages pour eux ? Rassurer aussi, parce que parfois, on a peur, si on quitte l'entreprise, de ne pas pouvoir garder son compte. Et donc, du coup, dans ce fameux kit de communication, vous avez des affiches que vous pouvez imprimer, des templates de mails que vous pouvez envoyer à vos destinataires pour qu'ils puissent dire si oui ou non ils souhaitent accepter la dématérialisation. Et vraiment, voilà, des petites astuces pour communiquer au mieux. Et donc, je passe rapidement sur les paramètres avant de redonner la main à Victoire. Donc, dans les paramètres, vous avez à la fois des informations sur l'entreprise, donc dans le profil, votre numéro de compte, si jamais vous aviez besoin de contacter le service client. Donc, c'est avec ce numéro-là qu'ils peuvent vous retrouver rapidement. L'étape de personnalisation, donc celle qu'on a fait précédemment, se retrouve également ici dans les paramètres et à tout moment, on peut venir modifier les informations qu'on a renseignées. Ici, sur l'étape de compte, on peut venir, en tant qu'administrateur, ajouter un gestionnaire, donc une autre personne qui va venir travailler sur la plateforme avec nous, donc pour déposer des documents. Et ici, sur l'onglet « Offres », vous allez pouvoir gérer votre offre et télécharger vos factures, donc à ce niveau-là, mais aussi modifier votre offre si jamais votre entreprise venait à grandir et que vous aviez plus de destinataires à adresser. Pourrez le faire directement depuis la plateforme.
Et comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une offre qui est sans engagement. Donc, vous pouvez à tout moment résilier en quelques clics et mettre fin à votre offre DigiPost Access. Et donc, voici. Et je vais arrêter le partage et reprendre. Non, c'est pas ça. C'est là. Tac. Et là, normalement, vous devez revoir la présentation. Super. On est revenu. Vraiment une victoire. Ah non, c'est toujours moi. Donc, pardon. Donc, pour faire un petit résumé de l'offre DigiPost Access, donc on a vraiment essayé de travailler sur une interface qui est simple d'utilisation et fluide, tout en ergonomie, sur une solution qui est aussi sécurisée que son pendant pour vos destinataires, donc un coffre sécurisé et un outil sécurisé. Vous êtes autonome, mais vous êtes accompagné aussi. S'il y a la moindre question, vous pouvez joindre notre service client par mail et ensuite prendre contact par téléphone. Ils sont vraiment très réactifs et à l'écoute. Et c'est à la fois une plateforme où vous pouvez déposer des documents, c'est vraiment l'action principale, mais où surtout vous pouvez faire du suivi et vous savez où en est le dépôt du document. Donc, ça, c'est un côté très rassurant. Et la dématérialisation, comme on a pu le voir il y a quelques instants, est très rapide. Quand on a ces documents et qu'on a déjà les destinataires, c'est quelque chose qui va très vite et qui prend quelques minutes par mois. Donc voilà. Du coup, donc je reprends la main pour utiliser cette plateforme. Forcément, il y a quelques prérequis hein, aujourd'hui que je vais vous énoncer. En termes d'éligibilité, c'est une offre hein, qui s'adresse à entre 250 salariés, donc plutôt type TPE, PME. Vous avez forcément une facturation qui se fera, comme vous l'avez vu, sur le SIRET qui est renseigné de l'entreprise. Donc, il y a bien une facturation sur un SIRET unique. Et comme le disait Laetitia, la facture est téléchargeable depuis la plateforme. En termes de destinataire, ce qui sera vraiment important, c'est d'avoir une unicité des matricules ou des identifiants de vos collaborateurs. Il faut vraiment que chaque personne ait un identifiant unique et qu'il n'y ait pas de doublon en interne et que chaque personne ait une adresse email que vous puissiez nous communiquer pour qu'elle reçoive l'invitation dont vous parlez, Laetitia. En termes de dépôt des documents, Laetitia en a parlé aussi, il va y avoir deux options. Donc, le PDF contenant tous les documents les uns à la suite des autres dans le spool. Et là, il y aura une action de découpage par la plateforme et de routage dans les coffres forts. Derrière, deuxième option, ce qu'a présenté Laetitia dans la démo, le fichier zip avec tous vos documents au format PDF, nominatif et unitaire. Et dernière option, le PDF générique type note d'information pour les collaborateurs. En termes de nommage des documents pour l'option de dépôt avec le fichier zip, il y aura un nommage spécifique à avoir puisqu'il faudra que l'identifiant de chaque collaborateur, donc son matricule RH, soit bien présent dans le nom du document. C'est ça qui sera vraiment la clé pour que le bulletin soit routé dans le coffre-fort de la personne. Donc, DigiPost Access, cette solution, combien ça coûte? Très simple, c'est le nombre de collaborateurs que vous êtes qui déterminera la tranche dans laquelle vous allez vous situer donc pour un volume mensuel de destinataires. Donc, la première, c'est jusqu'à 20 personnes, la deuxième, jusqu'à 50, jusqu'à 100, jusqu'à 175 et jusqu'à 250. Donc, vous avez un abonnement mensuel qui fixe un temps que vous ne dépassez pas cette tranche. Et pour cet abonnement-là, vous avez la possibilité d'avoir deux personnes au statut de gestionnaire hein, donc qui peuvent effectivement gérer cette plateforme. Tout ce qui va être création des coffres forts DigiPost, tout ça, c'est forcément inclus. Vous accédez à la plateforme aussi. Et l'envoi de documents certifiés est illimité. Donc, c'est pour ça que Laetitia disait qu'on peut déposer tout type de documents RH sur la plateforme et que la plateforme est faite pour ça, puisque pour cet abonnement-là, vous pouvez vraiment mettre tout ce que vous souhaitez dans les coffres forts de vos collaborateurs, tant que vous restez dans votre tranche, encore une fois. Donc, pourquoi choisir DigiPost aujourd'hui pour dématérialiser vos documents RH et vos bulletins de paye? Tout simplement parce que le coffre-fort qu'on va proposer à vos collaborateurs va permettre de recevoir, archiver, partager et gérer sa vie administrative. C'est-à-dire que les collaborateurs vont avoir le coffre-fort au travers de vous qui êtes leur employeur aujourd'hui. Mais comme on vous l'explique depuis le début, le coffre-fort va appartenir aux collaborateurs, c'est son coffre.
Si demain, il quitte l'entreprise ou veut résilier l'abonnement, il gardera son coffre, les services, ses acquis de manière complètement gratuite et à vie. Ça, c'est le premier point. Donc, la première action sur ce coffre-fort, c'est vous, en tant qu'employeur, vous déposerez des documents routés, des originaux numériques. Donc, c'est tout ce qu'on vient de vous démontrer, les bulletins paye, entre autres, qui seront toujours accompagnés d'un certificat à la poste qui prouve justement l'intégrité de ces documents et la vraie valeur probante, comme le papier, alors que c'est du digital. Donc, ça, c'est vraiment tout ce que vous déposerez. L'utilisateur, comme je l'ai dit, c'est son coffre. Donc, il va pouvoir en avoir une utilisation à titre privé et donc rajouter des documents à titre personnel. Il va pouvoir collecter des documents donc auprès d'organismes partenaires de Digipost. On a 300 aujourd'hui, mais les plus gros, ça va être impots.gouv, Amélie, la CAF, la banque, les mutuelles. Il va pouvoir récupérer ses documents de manière automatique dans son coffre en se connectant une seule fois depuis son coffre. Donc, ça permet vraiment de centraliser. Et il pourra également faire un ajout manuel de documents, donc soit en les téléchargeant depuis un ordinateur, soit en les scannant, puisque le coffre-fort sera disponible également sur tablette et smartphone au travers d'une application. Donc, il y a un scanner intégré qui vous permet de très rapidement ajouter des documents. Donc, c'est fort pratique. Et pareil, vous avez des démarches du quotidien qui sont préexistantes dans le coffre, par exemple, renouveler une carte d'identité ou autre. Et grâce à ça, le coffre va venir reconnaître et récupérer les documents liés à cette démarche dans ce qu'il a à disposition. Dire, ben, j'ai tous ces documents-là, votre démarche, elle est OK, et vous pourrez du coup partager cette démarche et ces documents par un lien sécurisé à un proche, à un tiers de confiance, et d'ailleurs partager tout type de documents depuis le coffre-fort. Donc voilà tout ce qu'engobe le coffre-fort. Donc c'est un réel outil que vous mettez à disposition de vos collaborateurs en termes d'utilisation tant professionnelle que personnelle finalement. Donc pour vous donner hein, les grandes lignes du contexte par rapport au groupe La Poste, puisque nous on est Digipost mais c'est opéré par le groupe La Poste, on est aujourd'hui tiers de confiance pour les échanges dématérialisés puisqu'on fait partie de la branche numérique du groupe à notre niveau. Donc on va vraiment être spécialisé et expert dans tout ce qui touche au digital. Comme La Poste est reconnue tiers de confiance pour les échanges matérialisés, nous on l'est sur cette partie vraiment dématérialisée à notre niveau. Et pour vous donner pareil hein, quelques chiffres clés, c'est 11 000 entreprises aujourd'hui qui utilisent nos services et qui vont vraiment dématérialiser tous les mois des bulletins de paye et des documents dans les coffres forts de leurs collaborateurs. C'est 2 millions 900 000 salariés qui vont recevoir des bulletins de paye de manière dématérialisée tous les mois, 350 millions de documents RH hébergés dans nos data centers et 92% des salariés qui sont satisfaits du coût de leur coffre-fort et l'utilisation qu'ils peuvent en faire. Et comme je vous disais, solution web ou au travers d'une application pour les utilisateurs et application qui a été téléchargée 2 millions de fois jusqu'à aujourd'hui. En termes de sécurité, Hélène demande, ça veut dire quoi être tiers de confiance ? Tiers de confiance, ça veut dire qu'on est reconnu en fait sur une activité pérenne. Mais par qui ? Le statut de l'entreprise. T'es reconnu par qui ? Reconnu par l'État. Voilà, c'est ça qu'Hélène demandait en fait. C'est ça. Tout à fait. Donc La Poste l'est et nous, Digipost, on l'est, mais comme je disais, pour les échanges dématérialisés, puisqu'on touche vraiment au digital à notre niveau. Non, c'est pas un label, Hélène. C'est un peu comme la Caisse des dépôts, c'est un tiers de confiance de l'État. La Poste en dématérialisation, c'est un tiers confiance de l'État. C'est reconnu par l'État. C'est ça, on est un acteur reconnu dans cette activité-là, en fait. En termes de sécurité, hein, comme je vous dis, nous, on va vraiment vous garantir un accès sécurisé. Puisqu'aujourd'hui, on va respecter toutes les recommandations de la CNIL, ce qui sera notamment la composition des mots de passe. On peut utiliser sur l'application et les smartphones l'empreinte digitale hein, pour se connecter, mais il y a bien entendu la possibilité de mettre en place une double authentification sur l'application ou par SMS, puisqu'on parle de données sensibles d'un coffre-fort personnel, donc ça, c'est vraiment important. Et puis forcément, lorsque vous vous connecterez depuis un nouvel appareil, il y aura une nouvelle authentification qui sera requise pour être sûr que vous êtes bien à l'origine de cette nouvelle connexion. Et on voit qu'en termes de chiffres, hein, y a quand même des personnes
qui pourraient craindre hein, cette partie sécurité quand on parle de dématérialisation, qui ont un peu de mal à faire confiance. Et du coup, c'est pour ça que nous, on va vraiment vous garantir toute cette sécurité à notre niveau. Donc finalement, pour faire un petit résumé des avantages de Digipost pour vos collaborateurs, bah, comme je disais, le coffre-fort, il est personnel, gratuit et à vie. Donc, il y aura vraiment 5 gigas de mémoire en plus qui seront à disposition du collaborateur pour tout ce qui sera ajout personnel et manuel. Donc, vous, tout ce que vous déposerez en tant qu'employeur, cela n'empiètera pas dans ces 5 gigas de mémoire. Et vice-versa, si ces 5 gigas de mémoire étaient amenés à être dépassés ou en tout cas être atteints, ça ne serait pas bloquant pour l'employeur puisque c'est vraiment propre à l'utilisateur. Comme je vous disais, la possibilité d'avoir 5 collecteurs parmi les 300 organismes partenaires. Le collaborateur peut en choisir 5. La solution, elle est sécurisée, hein, puisque, comme je vous disais, on est sur une offre pérenne du groupe La Poste. On dispose, là, cette fois-ci, de la certification du coffre-fort numérique, mais au-delà de ça, on va répondre à toutes les normes AFNOR, ISO et être RGPD compliant. Solution multicanal, ben, je vous l'ai dit, hein, site web, application. Donc, dès qu'un nouveau document est disponible, vous avez une petite notification sur les smartphones au travers de l'application, puis un mail sur votre adresse email correspondante. Et enfin, interface accessible, puisqu'on va répondre au plus grand nombre, notamment pour les personnes en situation de handicap aujourd'hui. Merci. Alors, on n'a pas énormément de questions, mais on en a eu quelques-unes. Après, bon, la présentation est quand même très... très clair, hein. Je pense qu'on a abordé tous les sujets. Est-ce que vous avez encore des questions qui subsistent par rapport à la mise en place de ce projet côté participants? Ou est-ce que c'est parfaitement clair pour vous? Alors, question de Laurent qui dit... Je change d'employeur, je change de coffre-fort. À ma retraite, j'ai plusieurs coffres. Point d'interrogation. Non, au contraire, vous gardez votre coffre, en fait. En tout cas, si votre nouvel employeur dépose dans Digipost. C'est... Vous gardez le même coffre. La question, justement, c'était ça. Je change d'employeur avec un coffre-fort Digipost et pour un autre employeur qui utilise un autre coffre-fort. Je me retrouve avec plusieurs coffres-forts. Bah, techniquement, oui. Maintenant... Est-ce que je peux transférer l'un vers l'autre? Maintenant, vous avez l'obligation, l'obligation de pouvoir donner la possibilité à la personne de faire une extraction globale de tout ce qu'il a dans son coffre. Et donc, effectivement, vous faites une extraction globale de ce que vous avez dans le coffre précédent et vous l'importez directement dans Digipost. Et là, vous n'avez plus qu'un coffre. C'est un peu comme les opérateurs de téléphonie. Il y a une sorte de portabilité du fait que tu puisses tout exporter et importer, en fait. C'est pas automatique, il faut que la personne elle fasse l'extraction de son ancien coffre et qu'elle fasse l'action de tout remettre dans son nouveau coffre. Donc ça, c'est vraiment à la main de l'utilisateur. Hélène demande si le coffre est uniquement pour les salariés ou si l'entreprise peut elle aussi y déposer des documents officiels pour archivage. Est-ce qu'il y a, par exemple, un coffre qui s'appelle que l'entreprise pourrait utiliser en l'appelant je ne sais pas, accord d'entreprise et y stocker tous ces accords d'entreprise. Ah oui, je vois la demande. Ah, effectivement, on est en train de travailler sur une solution qui va dans ce sens. On a eu plusieurs demandes là-dessus, comme ça, vous avez ce qui a été déposé aux salariés, mais aussi vos documents. Oui, c'est un besoin qui a été remonté. Ça marche. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, en tout cas, c'était très clair. De toute façon, ce webinaire, vous allez le retrouver sur MyRHLine en replay d'ici demain. Vous avez là le contact. Hein. Vous pouvez aller directement sur le site ou écrire à commercial.digipost@laposte.fr. Et puis, vous pouvez toujours aller à la rencontre de nos interlocutrices sur LinkedIn hein, qui vous répondront. Hein. Eh bien, merci à toutes les deux. Merci à vous. On reste à votre disposition si besoin. Merci. Je vous souhaite une excellente fin d'année. Je vous dis à bientôt. Bonne journée. Merci. Merci. À bientôt. Au revoir.